belge et suisse. Il est français. Lui est anglais. Les autres sont par-ci, par-là. Ils sont traqués. Elle les sauve. Notre état-major n'apprécie pas du tout la présence de ces deux Français et Anglais en liberté dans la ville, le jour même de l'arrivée de nos troupes. Mets-les-moi dehors tout de suite. Tu entends, imbécile? Et c'est là que tout commence. Oui, mon chéri. Je prends le volant. Oh, sûrement pas. Qu'est-ce que la vie? Ben, c'est pas moi qui conduis, j'ai peur. Il y en a pas d'autres? Non, il n'y a plus personne. Heureusement, parce que nous étions dans notre tour. Plus vite! Oh, dites donc, merde, hein. Vous êtes fou. Bon, on vous a terrorisé. Hein. Au besoin, l'Anglais vous a violé. Pourquoi voilà. Moi? Un dehors! Ce sont deux Anglais qui ont atterri dans le désert. Je suis arrivé par derrière, ou les mêmes bandes de clowns, voilà. M'excuse, signora. Battistoni! Mais dis quelque chose. Oh, les vaches. Il a dit oh, les vaches. Comment vous la trouvez, vous? Qui? Elle? Ah oui, elle n'est pas. Hé, hey, oh! Oh! Ha-ha! Allez, la belle gonzesse! Je vous assure qu'elle est bonne! Je veux pas mouiller mes affaires! Alors, baignez-vous toute nue! Je ne vous regarde pas. Mes habits! Non! Mais tout ceci n'est rien. Quand vous l'aurez vu piloter? Vous savez piloter? En principe, c'est la seule chose que je sache faire vraiment. Eh ben alors on est sauvés.